Aham Prema. Ça veut dire « je suis amour ». Ce mantra du sanskrit, on dirait qu'il va parfaitement bien avec la reine des fleurs, la rose. Nous connaissons des milliers de variétés différentes de cette fleur sur la terre. Et depuis très 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 longtemps, elle symbolise l'amour dans toutes les cultures, dans tous les pays. Cette magnifique fleur nous donne aussi une merveilleuse huile essentielle. C'est la Rosa Damascena qui nous donne l'huile essentielle de rose. Très précieuse, il faut 5000 kg de pétales pour en faire 1 kg d'huile essentielle. Mais aussi l'eau florale, l'hydrolat. Il est vrai, elle est précieuse, rare. Aujourd'hui, nous cultivons l'huile essentielle de rose, nous la produisons dans différents pays. Au Maroc, en Iran, Turquie. Mais on pense encore aujourd'hui que la meilleure qualité est toujours la rose bulgare. C'est vrai, c'est une huile essentielle précieuse, mais souvent une goutte peut changer la donne. Une goutte dans un mélange change complètement son énergie. Souvent, nous avons pu expérimenter en cas de chronicité des pathologies des voies respiratoires. Une bronchite chronique, une toux chronique, des fois une goutte de rose dans le mélange change complètement la donne et on se sent vite soulagé, guéri. C'est aussi la plante qui apaise Pitta, comme on dit en Ayurveda. Cette bioénergie dominée par le feu. Cette bioénergie qui crée trop d'appétit des fois. L'appétit est excessif. Mais aussi cette bioénergie qui peut créer en fait des émotions comme la colère, la jalousie, la frustration. Faire des cures avec l'hydrolat de rose apaise émotionnellement et puis a un effet aussi calmant, rafraîchissant au niveau du foie. Donc les fringales peuvent aussi disparaître. C'est aussi un hydrolat idéal à prendre en cure quand on est au début de la ménopause ou en ménopause et que les hormones nous déséquilibrent au niveau émotionnel et qu'on a des vapeurs, on a tout le temps chaud. De nouveau, elle a un effet rafraîchissant. On peut sprayer tout le corps avec, on peut la prendre par voie interne, 1 litre d'eau. Une cuillère à soupe dedans. C'est également en fait un hydrolat à sprayer dans la pièce quand un anniversaire d'un enfant, quand tout le monde est excité, agité, quand on n'arrive plus à contrôler la situation. On spraye l'hydrolat de rose et tout se rafraîchit. Ça veut dire tout se calme, tout va mieux. C'est aussi une huile essentielle idéale dans une huile de massage. Pendant la grossesse, on garde le cœur ouvert, bénéfique pour maman et le bébé. C'est aussi un parfum qui est très sensuel, dans une huile de massage pour les moments à deux. Fleuri, doux, il est très difficile de sentir son parfum et d'être agité ou irrité ou stressé. Je vous invite de faire l'expérience de cette magnifique huile essentielle qui vient droit de la reine des fleurs. Et puis de sentir à nouveau ce que ça veut dire Aham Prema. Je suis amour.